l'occasion donc de la Journée internationale de la femme, je suis ravie de parler de l'évolution donc des professionnels, des experts comptables femmes au Maroc. Depuis que j'ai intégré la profession, cela fait plus de 25 ans. J'estime qu'il y a eu des avancées très importantes par rapport à la contribution de la femme dans la profession. Quand j'avais intégré cette profession, on était une vraie minorité, une petite minorité de femmes en grand cabinet, en cabinet individuel. Moi, je me rappelle même quand j'étais passée manager, j'étais la seule manager dans un tour de table constitué exclusivement d'hommes. Même chose quand j'étais passée associée. Et aujourd'hui, je suis ravie de constater que nous ne sommes plus dans cette configuration, que les jeunes femmes désireuses de construire des carrières stimulantes dans cette profession osent faire le pas. Donc on retrouve de plus en plus de femmes managers, seniors managers et même des femmes associées un peu partout. De plus en plus de femmes aussi osent se lancer dans des cabinets individuels, de lancer leur propre cabinet. Donc c'est vrai que c'est une avancée importante. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il reste quand même des progrès à faire dans le sens où on est encore loin de la parité qu'on recherche toutes et tous, puisque certes cette profession elle attire les femmes surtout en début de carrière. Mais ce qu'on constate, c'est que les femmes se retirent au bout de quelques années, donc plus rapidement que les hommes, que leurs collègues hommes. Et à mon avis, l'explication, elle est principalement liée au fait que y a la pression peut-être sociale, la pression familiale qui fait que les femmes ne se retrouvent pas facilement dans cette profession à cause des engagements qu'elles entraînent. Et ce qui revient à dire que la culture marocaine reste, à mon avis, assez dure vis-à-vis de la femme. Donc nous, femmes, avons encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine pour être plus assertives, pour s'aider soi-même à évoluer dans la profession comme on le souhaite. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.